Le président de la République supervise à Nouakchott la cérémonie de levée des couleurs dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République s'adresse à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Lancement de plusieurs projets de développement dans nos différentes wilayas du pays à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance. Pour se prémunir de la COVID-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a présidé ce matin au palais présidentiel la cérémonie de levée de couleurs dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du chef de file de l'opposition démocratique et de plusieurs personnalités civiles et militaires. Bokar Boyla Banzandi plus. Premier acte, cérémonie de levée des couleurs. C'est un acte très symbolique. La cérémonie se passe au palais présidentiel et c'est le président de la République qui donne le la en moment empreint de solennité. La présence des autres personnalités à cette cérémonie est à la hauteur de l'événement. Il y avait le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le chef de file de l'opposition démocratique, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du Conseil régional de Nouakchott. Ensuite, ce fut le moment tant attendu, le lever des couleurs nationales sur fond de la musique militaire. Là aussi, le moment est empreint de solennité. Le président de la République a passé en revue, en compagnie du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées, du détachement de l'armée de terre, de la marine et de l'air, de la gendarmerie nationale, de la garde nationale et de la fanfare militaire venir rendre les honneurs. Il a également salué les officiers supérieurs des forces armées.
Le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazouani, en outre salué l'ancien président Mohamed Khoulaou El-Haidala, les anciens premiers ministres et actuels membres du gouvernement. Autre présence à cette cérémonie, ce sont les représentants de formations politiques, syndicales et des organisations de la société civile. La cérémonie a été également rehaussée par la présence du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie, des attachés militaires des ambassades à Nouakchott et des hautes personnalités de l'État. Second moment fort de la journée, c'est cette cérémonie de décoration. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazouani, a décoré de la médaille de commandeur de l'ordre du mérite national le général de brigade Mohamed Baba Ahmed, chef d'état-major adjoint de la garde nationale. Le général de brigade Mohamed Val Maïf, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale. Médaille d'officier de l'ordre du mérite national, général de brigade Mohamed Cheikh Boyde, commandant des forces spéciales et MGA. Médecin général de brigade Ahmed Sidi Eli Bouha, ancien directeur de l'hôpital militaire. Colonel Sid Ahmed Lekhal, commandant du 3e groupement de gendarmerie mobile. Défend Mohameden Bah Hamed, représenté par Ahmed Mohameden Diba. Défend Kamara Seydou Boubou, représenté par Fatoumata Seydou Boubou Kamara. Médaille de chevalier de l'ordre du mérite national. Mohamed Sidi Malik, vice-président de la Cour suprême. Ngam Yahya, ancien ambassadeur. Colonel Mohamed Mbarek Haïdi, adjoint inspecteur général des forces armées et de sécurité. Inspecteur central, Sidi Mohamed Sidi Mokhtar, chef du bureau des douanes de Nouakchott, port. Idrissa Amadou Niang, directeur de la dette extérieure. Chernaoul Idoumou, président de la commission des concours. Défend Mohamed El-Mostafa El-Bedreddine, représenté par son fils Sidati Bedreddine. Mohamed Abdallah El-Mostafa, procureur de la République Nouakchott-Ouest. Ingénieur Ahmed Mohamed Abba, directeur informatique, ministère des Finances. Défend Mohamed Ahmed Salem Salek, représenté par sa fille Hindou Mohamed Salek Beybaha. Médaille de la reconnaissance nationale, médecin lieutenant-colonel Habib Batou Cham, gynécologue à l'hôpital militaire. Inspectrice Zoubeïda Mintahayin, chef service DPAF DGSN. Adjudant-chef Taleb Abdallahi, chef du service information au ministère de la Défense nationale. Djibril Amadou Diop, délégué régional Nouakchott-Ouest. Défente Naha Mohamed Demine Seyidi, représenté par sa fille Rabab Kader Hachem. Najiul Mokhtar, chef service RAC Attar. Médaille d'honneur de la première classe, adjudant Mremiaimou Mohamed Alaf, CS Logement d'IRCAB, état-major de la garde nationale. Infirmier d'état Babambarek. Médaille d'honneur de la deuxième classe, brigadier chef police Omar Boubou, chef division DRS Thierry Zemmour. Ibrahim Mouloud Salem, directeur de l'école Edman Ambout. Ahmed El-Kharachi, directeur école Melgue, commune Akhorat Kifa. Médaille d'honneur de la 3e classe, adjudant El-Mokhtar Jiddou Sidi Baba, chef section mécanique garage gendarmerie. Aïchetoun Tellou Souelim, femme de bureau au ministère de la Santé. El-Eminoul Béchir, chauffeur Bilaya Trarza. Ahmed Mohamed Khoydem, groupement de la sécurité présidentielle. À la veille de l'anniversaire de l'indépendance nationale, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazouani, s'est adressé à la nation où il a passé en revue les efforts déployés pour réaliser le développement durable du pays. En voici la traduction intégrale de ce discours.
Mes chers concitoyens, demain, nous célébrons ensemble le 61e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance, la fête de la fierté et de la gloire. L'indépendance de notre pays a constitué un événement décisif dans l'histoire de notre fier peuple, dont les racines ont été plantées par les héros de notre résistance nationale et arrosées du sang des martyrs et de l'encre des lucioles, jusqu'à ce qu'elles produisent la liberté et la souveraineté sous les auspices d'un État moderne et indépendant. Pour cela, ils ont une reconnaissance permanente et une gratitude renouvelée à chaque 28 novembre. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces armées et nos forces de sécurité pour leurs efforts gigantesques dans la défense de l'indépendance et de la souveraineté du pays et dans la préservation de sa sécurité et de sa stabilité. En même temps, je salue tous les fils de notre peuple qui ont contribué génération après génération à la libération de notre pays et à la mise en place de l'État mauritanien moderne en l'engageant sur la voie du développement et de la croissance. L'accomplissement des sacrifices de tout ceci nous oblige à raffermir constamment notre détermination et notre engagement afin de construire un pays prospère sur la base d'un développement global et durable. En cela, nous comptons, après Allah le Tout-Puissant, sur notre chère jeunesse, car ce sont vous, les jeunes, qui êtes le cœur battant de notre nation et les piliers de son présent et de son avenir. Je suis intimement convaincu que l'essor de notre pays demeure tributaire de notre capacité à vous offrir une éducation de qualité et une formation professionnelle efficace, de promouvoir votre accès au marché du travail et votre participation à la prise de décisions à différents niveaux. C'est ainsi que nous saurons tirer le meilleur parti de vos énergies créatrices en tant qu'acteurs authentiques en qui nous fondons l'espoir de réaliser nos aspirations au progrès et à la prospérité. Chers compatriotes, au cours de la période écoulée, nos efforts se sont concentrés sur la réalisation de la justice sociale en luttant contre la pauvreté, la précarité, l'injustice et l'exclusion, et sur la construction d'un développement global et durable. À cet égard, nous avons été en mesure d'accomplir de nombreuses et importantes réalisations. Certes, le rythme d'exécution de certains projets n'est pas satisfaisant. Il est également vrai qu'il existe des lacunes et des difficultés à certains niveaux, mais nous en sommes conscients et nous travaillons à les corriger. Je vous promets encore une fois qu'avec l'aide d'Allah, ce que nous vous avons promis s'accomplira malgré les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons et que vit le monde dans son ensemble depuis plus de 2 ans. À cet effet, nous concentrerons notre attention sur l'instauration d'une bonne gouvernance et sur la lutte contre toutes les formes de corruption. La corruption, par sa nature, sape les piliers du développement en gaspillant les ressources de l'État, en empêchant les projets d'atteindre leurs objectifs, en violant la justice distributive des richesses et en attentant aux règles de l'État de droit, ce qui affaiblit la confiance des individus en lui et affecte le tissu social dans sa profondeur. Nous ne voulons pas que la lutte contre la corruption ne soit qu'un slogan ou qu'elle se transforme elle-même en corruption par la sélectivité des règlements des comptes et l'atteinte à l'honneur des personnes sans présomption ni preuve. Nous voulons plutôt qu'il s'agisse d'un travail institutionnel efficace par lequel les ressources de l'État sont préservées et les corrupteurs sanctionnés conformément au texte en vigueur. Ainsi, nous redoublerons d'efforts pour renforcer l'indépendance des autorités judiciaires et législatives, moderniser le code des marchés publics ainsi qu'intensifier l'activité des organes de surveillance et de contrôle par l'envoi de leurs équipes dans tous les établissements publics et secteurs ministériels. Nous nous pencherons immédiatement et chaque fois que nécessaire sur les rapports qu'ils émettent et qui seront suivis d'effets immédiats. Nous continuerons également à mettre l'accent sur la réforme de l'administration, car il n'est plus acceptable que notre administration ne soit pas plus proche du citoyen, plus à son écoute et plus preste à lui répondre et à résoudre ses problèmes. Nous continuerons également à mettre l'accent sur la réforme de l'administration, car il n'est plus acceptable que notre administration ne soit pas plus proche du citoyen, plus à son écoute et plus preste à lui répondre et à résoudre ses problèmes. Un citoyen doit pouvoir effectuer ses démarches administratives avec souplesse et aisance, obtenir les éclaircissements dont il a besoin, accéder diligemment et dignement à ses droits du seul fait de sa qualité de citoyen. Citoyen, citoyenne,
Au cours des deux dernières années, nous avons œuvré sans relâche pour fournir une couverture de sécurité sociale aux classes vulnérables à travers des plans et des programmes ambitieux que nous avons constamment adaptés avec l'évolution des répercussions de la pandémie de COVID-19 afin de renforcer la résilience de nos citoyens face à la pandémie. Ainsi, par exemple, plus d'1,3 million de personnes ont bénéficié d'un soutien direct alimentaire et financier et 100 000 familles ont été intégrées au système de transfert monétaire direct. De même, il a été procédé à la distribution de plus de 2 milliards de rouillas dans le cadre des différentes opérations du programme de Kavul, en plus de l'octroi d'une assurance maladie complète à 100 000 familles pauvres, soit environ 620 000 personnes. Parallèlement, des actions ont été conduites pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens face à la vague de hausse des prix. Cette hausse est consécutive à des facteurs qui ne peuvent être contrôlés ou prédits, tels que la hausse des prix des denrées alimentaires et des coûts de transport international. En dépit de cette situation, nous continuons à tout mettre en œuvre pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens grâce à l'approvisionnement régulier des magasins de l'alimentation, assurer la régulation des marchés et empêcher diverses formes de spéculation et de monopole grâce à une centrale d'achat et d'approvisionnement récemment mise en place. Nous sommes conscients que la sécurité alimentaire constitue un enjeu décisif de souveraineté et qu'il est inévitable pour nous d'atteindre l'autosuffisance au moins en denrées alimentaires de base. Par conséquent, plus de 6 000 hectares de zones agricoles ont été récemment aménagés et réhabilités et 7 000 autres hectares sont en cours d'aménagement. À ces superficies s'ajoutent 2 000 hectares déjà aménagés et 15 000 hectares en cours d'aménagement par le secteur privé. De plus, 60 barrages et 22 ouvrages de retenue d'eau ont été construits, 655 km linéaires de clôture réalisés au moment où les agriculteurs ont reçu des intrants agricoles. Un soutien a été apporté aux agriculteurs affectés par les aléas et 1 500 charrues ont été distribuées. Le programme de développement des oasis s'est poursuivi et plus de 8 000 hectares dédiés à la culture maraîchère ont été aménagés. Nous avons également œuvré au développement de notre élevage. À l'effet de promouvoir ce secteur, nous avons créé un département ministériel et lancé de vastes programmes de construction, de vaccination animale, d'abattoirs, de marchés à bétail et d'unités de transformation laitière afin d'intégrer cette importante filière dans le circuit économique et de développer sa valeur ajoutée. Nous avons également pris des mesures préventives pour protéger les éleveurs des répercussions négatives du déficit pluviométrique de cette année sur le couvert végétal. Afin de résorber le chômage des jeunes, la formation professionnelle a été renforcée par la création de nouvelles institutions de formation, l'organisation de nombreuses formations, la création de dizaines de milliers d'emplois dans les secteurs publics et privés et le financement de centaines de projets pour les jeunes dans les différentes wilayas, en plus du lancement de la deuxième phase d'un programme élargi visant à créer 9 000 emplois en partenariat avec le secteur privé. Pour renforcer la participation des femmes à la vie active et leur inclusion dans le cycle économique, de nombreuses coopératives et petites entreprises ont été financées au profit de 6 000 femmes et 5 000 parcelles de terrain ont été allouées à la construction de logements sociaux au profit des familles vulnérables. Les piliers du développement étant par essence la promotion des ressources humaines, nous nous sommes attelés à renforcer notre système éducatif en élargissant l'offre, en élevant le niveau de qualité de l'éducation et en améliorant fondamentalement les conditions des enseignants. La création du Conseil national de l'éducation et le lancement du processus de concertation sur la réforme du système éducatif ont constitué un tournant important dans le cadre de la réforme à laquelle nous aspirons tous. Nous avons également travaillé à développer notre système de santé et à fournir les vaccins nécessaires pour vacciner nos citoyens les plus vulnérables. Cela a renforcé notre capacité à faire face à la pandémie et à prendre en charge les malades de manière appropriée. Parallèlement à ces actions, il a été procédé au lancement de plusieurs grands projets pour favoriser l'accès régulier des citoyens aux services de base de qualité tels que l'eau et l'électricité. Au cours de l'année écoulée, 145 réseaux d'eau ont été achevés, 265 puits artésiens ont été forés, et 195 puits ont été dotés d'équipements à énergie solaire. Ces installations d'eau ont coûté environ 11 milliards de rouillas anciennes et ont profité à 447 villages dans les différentes wilayas du pays.
Le système de production et de distribution d'énergie de notre pays a également été amélioré grâce à la poursuite des travaux d'extension de réseaux dans une centaine de villes et la création des lignes à haute tension pour relier Nouakchott à Ouadibou, Nouakchott et Zouerat, Nouakchott avec la République sœur du Sénégal, en plus des réseaux basse et moyenne tension dans les régions de l'Est et du Sud. Des travaux sont en cours pour réorganiser la Société mauritanienne d'électricité afin de compléter la séparation entre les fonctions de production, de transport, de distribution et de commercialisation d'une manière qui améliore les programmes d'éclairage et étend et intensifie les réseaux dans les villes et les zones rurales. Toutes ces réalisations et d'autres qu'il serait fastidié de citer ici ont été accomplies dans une atmosphère politique apaisée et responsable que nous avons tenu à assurer dès les premiers instants en nous ouvrant à toutes les sphères de notre scène politique et sociétale et en échangeant avec elles sur les grandes questions nationales. La préparation en cours du lancement d'une concertation nationale inclusive dans laquelle personne n'est exclu et aucun sujet n'est tabou préfigure de l'ancrage progressif chez nous de la tradition d'ouverture et de concertation responsable et comme une approche fondamentale de gestion des affaires publiques. Chers compatriotes, hier, j'ai su compter sur vous pour la réussite de notre vision d'avenir pour ces pays et vous ne m'avez pas déçu. Aujourd'hui, je compte sur vous encore une fois pour la traduire en réalité tangible afin de construire ensemble la patrie que nous voulons tous. Une patrie où il n'y a ni précarité ni exclusion, la patrie de la liberté, de la dignité et du développement global et durable. Longue vie à vous. Vive la Mauritanie libre, sûre et prospère. La commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale a été célébrée simultanément sur l'ensemble du territoire national. Ici à Nouakchott, les autorités administratives au niveau des wilayas nord et sud ont supervisé la cérémonie de levée des couleurs. Aminata Khan revient sur les temps forts de cet événement. Les locaux de la wilaya de Nouakchott Sud ont abrité la cérémonie de la levée des couleurs du 60e anniversaire de la fête de notre indépendance nationale. Une cérémonie supervisée par le wali de la wilaya de Nouakchott Sud, Mohamed Koulsalek. La levée des couleurs sur fond de l'hymne national a été marquée par la distribution des prix aux élèves des écoles de la wilaya et par des animations culturelles. Ces activités officielles commémoratives de la fête de l'indépendance nationale se sont déroulées en présence du maire de la commune d'Arafat et des responsables administratifs de la wilaya, en plus des populations de cette wilaya. Dans la wilaya de Nouakchott Sud, la commémoration de la fête de l'indépendance nationale a été présidée par le wali de cette wilaya, Si Mamadou Koudjel. Le wali a salué les formations militaires présentes à la cérémonie, les commandements des unités militaires au niveau de la wilaya et les chefs des services régionaux.
Ensuite, des élèves ont été primés par le hakem de la Moukata de Dar Naïm et le maire de la commune pour les efforts qu'ils ont consentis au profit des couches vulnérables de la société. La cérémonie a été également marquée par plusieurs autres activités commémorant ainsi le 60e anniversaire de notre indépendance nationale. Les villes de Nema, Ayoun, Kifa et Kaïdi ont célébré l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Mohamed Al-Khattat nous en dit plus. À Nema, la cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée dans la grande place publique en présence du wali du Houda Sharqi, M. Cheikh Abdallahi Woulawa, et du commandant de la 5e région militaire, le colonel Ahmed Doul Saïm. Des détachements militaires de différents corps ont rendu les honneurs sur des airs de musique militaire joués par la fanfare militaire avant de laisser place aux écoliers en tonnant des chants évoquant l'unité nationale et des sketchs soulignant les nouvelles orientations de la réforme du système éducatif. Et puis, ce sera au tour du club de karaté local de faire des démonstrations des arts martiaux devant un public enthousiaste. La veille, une retraite de flambeaux avait été organisée par la 5e région militaire, traversant l'avenue principale de la ville au rythme de la fanfare, accompagnée par des foules de citoyens sortis pour profiter de cette tradition militaire annuelle. À Ayoun, les populations ont afflué tôt le matin dans la place publique, sise devant la wilaya, pour ne rien rater des festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Ici, plusieurs détachements militaires ont pris position, tout comme les élus et les chefs de services régionaux, avant que le wali du Houd al-Gharbi, M. Mohamed al-Mukhtar ou al-Abdi, accompagné du commandant du 52e bataillon de l'infanterie mobile, le colonel Mahjoub ou Sid Ahmed, ne donne le coup d'envoi par la levée des couleurs des festivités marquant la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. À Kifa, des détachements de l'armée nationale, de la gendarmerie et de la garde nationale ont présenté les armes devant le wali de la Saba, M. Mohamed Oul Ahmed Mouloud, accompagné du commandant de l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Kifa, le colonel Mohamed Oul Sidi Mokhtar Oul Jiyid, venu superviser la cérémonie de levée des couleurs du drapeau national marquant le début des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Le wali de la Saba a par la suite salué les autorités administratives et sécuritaires ainsi que les élus présents avant de laisser place aux activités, notamment des chants glorifiant la résistance nationale, des compétitions culturelles et traditionnelles, des jeux scolaires qui se sont terminés par la remise de prix aux gagnants. À Kaïdi, c'est la place publique de la wilaya du Gorgol qui a abrité la cérémonie de levée des couleurs, marquée par une présence massive des populations venues dans l'enthousiasme commémorer l'événement. Le wali du Gorgol, M. Ahmed Nour Sidibe, a passé en revue, en compagnie du commandant du 72e bataillon d'infanterie mobile, des détachements de l'armée nationale et de la garde nationale venir rendre les honneurs avant de saluer les officiers supérieurs des différents corps, les autorités administratives, les élus, les chefs des services régionaux et les notables. Passé la levée des couleurs, le wali a suivi à partir de la tribune officielle le programme des festivités qui prévoyait des activités sportives des écoliers, des jeux traditionnels qui se sont terminés par la remise de prix aux gagnants. Il est à noter que la veille, une retraite des flambeaux organisée par des unités de l'armée nationale et de la garde nationale avait sillonné la ville, suivie de près par des foules depuis l'avenue de l'indépendance jusqu'au siège de la wilaya où elles avaient été accueillies par le wali du Gorgol, M. Ahmed Nour Sidibe, entouré des autorités administratives et sécuritaires ainsi que des élus de la wilaya. Dans la wilaya du Brakna, du Gorgol, de l'Adrar et de Dakhlet Nouadhibou, les festivités de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale ont été marquées par plusieurs levées de couleurs et animations. Compte rendu, Abdullah Damaba. La place de l'indépendance a abrité ces cérémonies de levée des couleurs à Alègue dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Elle s'est tenue en présence de nombreux publics venus assister à ces cérémonies pour la circonstance. Elle a été supervisée par le wali du Bragna, Rabbi Oulbounana Oulabdine et le colonel Mohamed Cheikh Mohamed Haïbe. Ils ont passé en revue les unités militaires qui ont pris part à cette cérémonie. Le wali a par la suite salué les différents responsables des forces armées et de sécurité de la wilaya avant de passer en revue les responsables pour
politique de cette wilaya. Après la levée des couleurs, plusieurs activités ont ponctué ces rencontres. Il s'agit notamment de sketchs et de la pratique de jeux traditionnels. À Rosso, c'est au sein de l'école de la garde nationale que cette cérémonie s'est tenue. Elle a enregistré la participation des forces de défense et de sécurité et les citoyens résidant sur place. Les différentes composantes des forces armées ont pris part à ces cérémonies de levée des couleurs. Elle a été supervisée par le wali du Tralza, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim, et le colonel Bakar Oulbouseif. Ils ont passé en revue les différents directeurs, chefs des bureaux et des services militaires de ces wilayas. Ensuite, ils ont aussi salué les responsables administratifs et politiques de ces régions. Par la suite, place à la levée des couleurs. La ville d'Atar n'était pas en reste. C'était l'engouement pour la commémoration de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Le wali de l'Adral, Haddad Imbali Yatara, et le général Daw Oul Mohamed Haïbe ont passé en revue les unités de l'armée venues rendre les honneurs sous fond de musique militaire. Ensuite, ils ont salué les personnalités civiles, responsables administratifs et employés de cette municipalité qui ont tenu à prendre part à cette cérémonie de levée des couleurs. Les différents récipiendaires des concours et jeux qui ont été organisés dans le cadre de la célébration de ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale ont reçu leur prix des mains des autorités qui ont participé à cette cérémonie. Dans la soirée, les habitants des quartiers se sont massés le long des artères de la ville pour assister à cette tradition militaire de la retraite du flambeau. Les militaires ont sillonné les principales rues de cette ville au rythme de la musique militaire. À Nouadhibou, c'est au sein de la principale place publique de cette cité qu'a eu lieu cette cérémonie de levée des couleurs. Les habitants ont répondu présents à cette occasion. Les acteurs politiques, responsables administratifs et forces de défense et de sécurité ont aussi activement pris part à ces rencontres. Le wali de la wilaya d'Ahlé Nouadhibou, Yahya Oul Cheikh Mohamed Vall, et le commandant de la première région militaire, Seyd Oul Beybeker, ont passé en revue les différents détachements de la gendarmerie nationale, de la garde, de la police, de la marine, entre autres, venus rendre les honneurs. Ils ont aussi salué les chefs des services administratifs et directeurs régionaux de l'administration sur les lieux avant que la levée des couleurs proprement dite ne se tienne. Tard dans la soirée, les éléments de la première région militaire ont parcouru les artères de la capitale économique du pays dans le cadre d'une cérémonie de retraite des flambeaux. Elle s'est déroulée sous les vivas de nombreux publics. Les villes de Tijikja, Selibabi, Zouera, Teak, Joucht ne sont pas en reste. Là également, les festivités se sont déroulées dans la joie, suivant ensemble l'ambiance de cette célébration avec Eminem Tahlil. Un climat de joie et une forte présence populaire ont marqué les festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Au Tagan, le wali Mohamed Mokhtar Oulhand a entamé les festivités par le salut aux membres des forces armées et de sécurité avant d'assister à la levée des couleurs nationales. C'était en présence des représentants des différentes composantes de la société, y compris les jeunes écoliers qui ont chanté l'hymne national avant de participer aux jeux et courses traditionnellement organisés pour l'occasion. Au Guidimara, la place publique centrale de Selibabi a été le lieu du lancement des festivités commémoratives du 28 novembre. En présence des populations de la wilaya, des officiers des forces armées et de sécurité. Des jeunes de la wilaya ont présenté des sketchs et pièces théâtrales relatant l'histoire de l'indépendance nationale. Les élèves gagnants aux jeux et concours organisés ont, quant à eux, perçu des prix et cadeaux qui ont ajouté à la joie de cette journée unique de l'histoire. Les forces armées de sécurité avaient, la veille, chargé l'atmosphère de nationalisme et de sentiments d'appartenance avec les unités de flambeaux qui ont sillonné la ville en chantant l'hymne national. C'est ainsi que les populations, surtout les plus jeunes de la wilaya de l'Anchéri, ont exprimé leur amour pour la patrie à la place de l'indépendance de Tijikja, lieu du lancement des festivités commémoratives du 28 novembre. Des festivités entamées avec la levée des couleurs nationales sous la supervision du wali de l'Anchéri, M. Sal Seydou Al-Hassan, accompagné du colonel Seydou Al-Ali, commandant du centre d'entraînement de l'armée nationale d'Agjoucht, en plus des autorités sécuritaires et élus locaux. Des parades militaires, des défilés, des jeux traditionnels
et des cadeaux pour les gagnants ont été les aspects de ces festivités qui ont fait le bonheur des habitants d'Akjaoujet. Un peu plus vers le nord, précisément dans la wilaya du Tiris-Zemmour, une ambiance nationale par excellence. Les couleurs du drapeau mauritanien sont visibles à tous les niveaux. Les populations se sont précipitées vers les lieux du rendez-vous pour réserver leur place dès l'aube, pour assister aux parades militaires, pour affirmer leur fierté et pour témoigner, comme dans toutes les autres wilayas du pays, de leur patriotisme. Les festivités commémoratives du 28 novembre, jour de l'indépendance nationale, marquant la liberté de la nation et du peuple mauritanien, ont été lancées par le wali du Tiris-Zemmour, M. Selmoul Sidi, en présence du général de brigade Abbab Tilhaj Ahmed. Et en présence des représentants des autorités et élus locaux de la wilaya. La levée des couleurs nationales s'est démarquée à Zouarat. Joie, respect et expression populaire féminine de cette joie. C'était le futur de la nation qui a chanté l'hymne de la nation. Les écoliers ont également joué des pièces théâtrales dignes de cette grande journée. Ensuite, c'était au tour des cyclistes d'entamer leur course traditionnelle. Les jeunes de Zouarat ont encore une fois été présents, cette fois-ci à travers le karaté, où ils ont montré organisation et discipline. Et enfin, culture et poésie ont été choisis pour clôturer les activités commémoratives du 28 novembre dans la wilaya du Tiris-Zemmour. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a inauguré dans les Mouqata'a de Zouerat et de Fdérik deux installations de surveillance et d'information. Amina Tsakana. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, a inauguré dans les Mouqata'a de Zouerat et de Fdérik deux installations de surveillance et d'information dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance nationale. La réalisation de ces deux installations militaires s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer l'institution militaire en la dotant des fournitures et des capacités nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Ces installations qui ont été construites conformément aux normes technologiques mondiales contribueront à augmenter les capacités et la précision du contrôle du trafic aérien et terrestre pour assurer la sécurité. Le général de division Al-Mukhtar Bouel-Chaban, chef d'état-major général adjoint des armées, a supervisé cet après-midi sur le terrain de tir de Toile le concours de tir et c'est dans le cadre des festivités commémoratives de l'indépendance nationale. 100 tireurs au total, dont 50 représentant le département militaire et sécuritaire et 50 civils ont participé à cette compétition. Le tireur Mohamed Vadl ou Abdul Fattah de la garde nationale a remporté le premier et le seul prix qui lui a été remis par le général de division, chef d'état-major général adjoint des armées. La cérémonie s'est déroulée en présence du général Saïdou Sambadia, commandant du 4e bureau, du colonel Mohamed Mouloud Sidiya, commandant de la 6e région, du conseiller du Wali de Nouakchott Nord, du maire et du hakem de Dar Naïm, en plus des officiers de différentes unités militaires et sécuritaires. L'état-major général des armées a organisé hier soir une retraite au flambeau dans plusieurs villes du pays à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans ce reportage de Melika Narli, nous allons découvrir la retraite des formations de Nouakchott, de Kifa, Tijoukja et Zouerat. Nouakchott a brillé de tous ses feux hier soir lors de la cérémonie de retraite au flambeau. Des formations du bataillon de commandement et des services de la musique militaire ont participé à cette retraite qui s'est déroulée au rythme de la fanfare. Partie de l'état-major général des armées, la retraite au flambeau est passée par l'avenue Jemel Abdelnasser pour aboutir à la présidence de la République avant de tourner vers la Banque centrale de Mauritanie, l'Assemblée nationale et l'état-major de la garde nationale et revenir en sens inverse pour terminer son parcours à l'entrée ouest de l'état-major des armées. Les habitants des quartiers que la marche avait traversés sont sortis pour profiter et assister à cette tradition militaire annuelle. La ville de Kifa n'était pas en reste. Des éléments de l'armée et de la garde nationale ont effectué cette retraite au flambeau depuis l'entrée de la ville
en passant par les rues les plus importantes avant d'atteindre la place de la Wilaya, où ils ont été accueillis par le Wali, les autorités administratives et sécuritaires. C'est dans une atmosphère festive que s'est déroulée à Tijikja cette retraite au flambeau. Le défilé a parcouru la plupart des rues principales de la ville avant de s'achever devant le bâtiment de la Wilaya où les attendaient le Wali du Tagan et les autorités locales. Lors de cette retraite au flambeau organisée à Zuret, les rues principales de la ville ont été éclairées par ces lumières qui trouvaient l'obscurité de la nuit. Le défilé de lumières s'est arrêté au podium central de la ville où le commandant de la 2e région militaire, le général de brigade Babti El-Haj Ahmed, en compagnie du Wali du Tirizemo, M. Eslem Oulseyed, les attendait. Dans la wilaya du Brakna et dans le cadre des efforts déployés pour autonomiser les femmes et leur permettre d'acquérir des compétences, une antenne du Centre de formation pour la promotion féminine a été inaugurée hier à Bogué. Hourul Mouilah nous en dit plus. Dans la Mouqata'a de Bogué et dans le cadre des efforts déployés pour autonomiser les femmes et leur permettre d'acquérir des compétences, le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a supervisé l'inauguration d'une antenne du Centre de formation pour la promotion féminine. C'était en présence des autorités administratives et sécuritaires de cette Mouqata'a. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a indiqué que l'inauguration de cette antenne s'inscrit dans le cadre d'un paquet d'activités pour la promotion et l'autonomisation de la femme, qui constitue un axe important dans le programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamedou Cheikh Rezouani. Dans son intervention, le maire de Bogué, M. Ba Adama Moussa, s'est félicité de la création de ce centre dédié à la formation des filles et des femmes de sa commune. Le programme de formation de ce centre comprend des domaines porteurs à savoir la boulangerie, la confiserie, la couture et la broderie. Non loin de Bogué, la ville de Rosso a abrité le lancement du projet d'approvisionnement non potable à partir du fleuve. Le coup d'envoi du projet a été donné aujourd'hui par le Wali du Tarza lors d'une cérémonie solennelle. Parti pour les travaux de réalisation d'un réseau pour alimenter la ville de Rosso en eau potable à partir du fleuve. Il s'agit de booster les activités économiques locales en application des instructions du président de la République, M. Mohamedou Cheikh Al-Razouani. D'ailleurs, c'est le Wali du Tarza, Moula Ibrahim ou Moula Ibrahim, qui a procédé au lancement des travaux du projet. Et à cette occasion, il a souligné l'importance de cet événement pour les habitants de la ville, du moment qu'il va leur permettre de se doter de liquides précieux dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Il a noté que le projet s'ajoute à d'importants projets opérés tout dernièrement dans la ville, dont certains en cours de réalisation et d'autres arrivés à des stades avancés, comme le géant pont de Rosso, le réseau routier périurbain, la gare routière et le grand marché de la ville et le centre culturel des jeunes, en plus d'un espace réservé à la promotion de l'éducation physique et d'un plan de protection de la ville contre les eaux de pluie. À son tour, le président du conseil régional du Tarza, Mohamed Ibrahim Oulseyed, a indiqué que le projet va permettre aux habitants de se procurer les eaux propres, ce qui dénote l'intérêt qu'accorde le président de la République à la wilaya du Tarza. De son côté, le maire de Rosso, Bamba Wilderman, a remercié le président de la République pour ce projet, qui constitue la satisfaction d'une doléance persistante des habitants de sa commune. L'État, en application des directives du président de la République, a entamé le déplacement du centre de dépôt d'ordures et a renforcé la station électrique pour permettre la desserte de la périphérie de la ville. A noter que la maîtrise d'ouvrage du projet est confiée à la Société nationale des aménagements agricoles et des travaux SNAT, en coordination avec la Société nationale de l'eau SNDE. Toujours dans le cadre des activités de commémoration de la fête nationale de l'indépendance, mais cette fois-ci aux Émirats arabes unis, où le pavillon Mauritania à l'Expo Dubaï a abrité le lancement des journées culturelles et médiatiques mauritaniennes. Le point avec Najia Jakani. Les journées culturelles mauritaniennes reflètent un nouveau tournant sur la participation de notre pays à l'Expo Dubaï 2020.
Pendant 3 jours, la manifestation mettra en valeur les potentialités du pays qui ont creusé de savoir tout en préservant le patrimoine authentique national. La façade culturelle du pays sera présentée par des professeurs universitaires, des experts, des poètes et des artistes dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale et de l'Expo Dubaï 2020. À cette occasion, les ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ouldéhi, a indiqué l'importance de cette manifestation pour mettre en valeur le pavillon mauritanien, rappelant la participation de 192 pays. Il a déclaré qu'on doit profiter des opportunités pour bien présenter notre pays dans toutes les manifestations culturelles, par son histoire, sa culture, son art et également par les grandes opportunités d'investissement dans notre pays, notamment dans les secteurs des mines, de la pêche et de l'agriculture. L'objectif est d'attirer les investisseurs, en particulier ceux de l'État des Émirats Arabes Unis. Mokhtar Ouldéhi a mis en exergue les relations de coopération existant entre les deux pays amis. La première réunion a été consacrée à la Mahadra mauritanienne sous le thème « La Mauritanie donne du Mahadra ». Pour M. Mohamed Denoul Mohamed Ali, la Mahadra mauritanienne est connue par l'innovation et la fierté de Bilal Chinkit, qui a fait sortir des oulémas et des érudits devenus célèbres dans le monde. La Mahadra est aussi une université mobile de l'apprentissage de diverses sciences. Son approche est la tolérance et la modération. La deuxième réunion scientifique était destinée à la Sirat Abdullah Bin Yassine et le signe d'unité culturelle entre les Mauritaniens. M. Mamadou Kane a présenté un exposé sur le chef du mouvement Almoravide, entre autres. Il a été connu par les fonctions éducatives et militantes. Ces journées culturelles ont été marquées par la participation des poètes pour expliquer l'adhésion sociale et le groupe artistique El Dendeni qui ont chanté pour la patrie. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 63 nouveaux cas de contamination et 54 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 39 178 cas de contamination dans 37 380 guérisons et 831 décès. Et pour plus d'informations sur la situation épidémiologique et ses évolutions dans notre pays, écoutons ces précisions du ministre de la Santé, Dr Siti Ouzaha. Un nouveau virus variant a été notifié en Afrique du Sud cette semaine, le 24 novembre. Et il a rapidement été aussi notifié dans d'autres pays africains, 3 ou 4 pays africains. Et puis il a atteint l'Europe, 8 pays l'ont notifié, l'Australie et l'Asie. Donc il a déjà atteint tous les continents du globe. L'information par rapport à ce variant reste encore limitée. Donc on n'a pas encore d'informations sur sa virulence, c'est-à-dire en termes de transmission, ou sur la gravité des symptômes qu'il causerait. Ce sont des questions qui sont en train d'être étudiées, tout comme la question de la vaccination contre ce virus. En tout cas, dans notre pays, jusqu'à présent, on n'a pas notifié de cas de ce nouveau variant. Tout en sachant que nous avons maintenant notre technique de séquençage qui permet de détecter les variants. Et donc le dernier séquençage qu'on a publié remonte au 23 novembre. Et dans ce bulletin du 23 novembre, il n'y avait pas ce variant. L'essentiel des variants qui circulaient dans notre pays était le variant de Delta et ses souches. Maintenant, on va prélever certainement de nouveaux échantillons. On va continuer notre surveillance de la carte virologique. Et certainement, dans une semaine, on publiera un nouveau bulletin. On verra, on espère que ce nouveau variant n'aura pas atteint notre pays. Le temps que
les informations soient disponibles et qu'on en connaisse davantage. Entre-temps, c'est l'occasion pour rappeler à nos citoyens que contre cette pandémie, il va falloir poursuivre les mesures préventives connues, à savoir le port du masque dans les lieux publics, le lavage des mains régulier et la distanciation physique. Ça, c'est des mesures préventives universelles qu'il va falloir respecter. Mais surtout, il va falloir vraiment utiliser la vaccination qui est désormais disponible dans tous les coins du pays, dans tous les centres de santé, les postes de santé, dans toutes les régions. Alhamdoulilah, nous avons une quantité suffisante de vaccins et le service est disponible partout. Il faudra que les populations, nos citoyens utilisent ces vaccins et se fassent vacciner massivement afin que nous puissions protéger notre pays des virus connus déjà et des virus variants, des variants éventuellement. Le mouvement IRA a organisé une conférence de presse à l'occasion du 61e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance, au cours de laquelle il a félicité le gouvernement et le peuple mauritanien. Le mouvement a également félicité les Mauritaniens pour les mesures prises pour construire un État moderne, appelant à des efforts intensifiés pour éliminer les phénomènes entravant le progrès du pays. Des partisans et activistes du mouvement ont tour à tour appelé à davantage d'efforts pour éliminer les barrières et les obstacles du processus de développement. Ainsi prend fin ce journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République supervise à Nouakchott la cérémonie de levée de couleurs dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République s'adresse à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance nationale. Lancement de plusieurs projets de développement dans nos différentes wilayas à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance nationale de l'indépendance. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Charles.